Bon, on peut lancer là. On peut lancer le malheur au vaincu. Allez, on va la lancer un petit peu. Et puis, après, on ira faire dodo. En temps de crise, votre démarche de mercenaire vous aide grandement. Avec l'effondrement d'Erasia sous l'impact de l'attaque Nigon à l'est, une opportunité s'ouvre pour l'obtention de nouvelles terres à l'ouest. Les terres d'Erasia sont à nous. Alors, les régions frontalières, vous devez prendre le contrôle de toutes les lignes. Ok, dans ce scénario, vos héros ne peuvent pas dépasser le niveau 12. Qu'on se positionne pour le scénario final de la campagne. Ok. Ceux des forteresses, béluaires ou sorcières. On va prendre le béluaire. Celle-ci? Ouais. Vous aviez vu juste, noble seigneur, la mort du roi Griffonheart devrait vous permettre d'exprimer pleinement vos talents de mercenaire. Un émissaire du roi Tralosk est arrivé de Tatalia. Les escarmouches étaient autrefois fréquentes le long de la frontière occidentale d'Erasia. Mais voilà 20 ans qu'un cessez-le-feu a été conclu. Le roi Griffonheart n'est plus et l'entente a disparu avec lui. Les armées de Tatalia n'ont jamais fait preuve de grands talents offensifs. En revanche, si elles parvenaient, par leur nombre, à conquérir Erasia, elles sauraient sans aucun doute tenir ses positions. La population de Tatalia ne cesse de croître. Tatalia a donc cruellement besoin d'étendre ses territoires. Et il lui faut donc des généraux capables de mener ses héros vers la victoire. Bonne tête de vainqueur. La mission première que vous a confiée le roi Tralosk est simple. Emparez-vous de toutes les mines de la région afin d'assurer aux armées de Tatalia les ressources nécessaires à une attaque d'envergure contre Erasia. Effectivement, un très bon en défense, mais zéro en attaque. Les nouvelles sont hélas mitigées. Les avant-postes erratiens sont quasiment déserts en raison du conflit qui fait rage à l'est. En revanche, ils sont en mesure d'acheminer les renforts avec une extrême rapidité. Ne perdez donc pas de temps. Et si vous parvenez à éliminer toute opposition dans la région, vous serez ensuite en mesure d'accomplir aisément votre mission. C'est pas faux. Il marque un bon point. Ah oui, je m'en souviens, ça c'est le truc avec les wyvernes et tout. Oh là là. Les gnolls. C'est la... Ah non, ça c'est le nid. Ah oui, non, c'est un petit trou. Enfin, une tanière de lézard. Et ici, on va plus faire monter en ville aussi. C'est vrai qu'on pourrait se laisser tenter par un rush. Putain, mais il n'y a pas de nul de sort. Là. Groupe, groupe. Ah, qu'est-ce que c'est des groupes? C'est la question qu'il va falloir se poser. Ah, écoutez, c'est la première, on va la tenter comme ça. Un groupe de gnolls apparaît. Ils s'avancent tranquillement et leur chef vous remet une missive officielle. Ces soldats serviront vraiment Tatalia à ordonner et ils obéiront, signé le roi Tralosk. Avoir beaucoup de gnolls. Est-ce que les gnolls sont mes amis? A priori. Alors, donne-moi des infos. Très bien. Là, il y a combien de cités humaines? On a 3. Franchement, le rush. Hein. Moi, je dis rush. Prenez tranquille. On va dire que ça se défend. C'est pour ça que j'aime bien les guêpes.
En fait, le gros souci aussi, enfin, surtout que j'ai moi, c'est que quand c'est des maps comme ça, bah, j'ai tendance à très vite faire le tour de la map avec mon héros pour monter au maximum de son level afin qu'il soit complètement cheaté. Bon, ça m'a servi à rien sur la map précédente, mais normalement ça permet de débloquer les situations beaucoup plus facilement. Et donc du coup ça peut être très long. Du coup je vais rush direct. Pas de pitié. Et comme ça comme il l'a dit, on sera tranquille pour le reste de la map. Faut que je fasse au moins deux héros qui tiennent la route. Expert de la défense. Si le plan il marche, on est plutôt bien. Bon, il y en avait d'autres aussi hein, dans les premières maps qui étaient vraiment très longues. Hein. Ok. Vraiment la toute première, c'est quand même assez costaud aussi. Hein. La bande son est jolie, enfin j'aime bien la bande son des Heroes of Might. C'est très agréable, c'est très rond. Puis là on ferme les yeux, on s'imagine bien dans la jungle tropicale, en train de recruter des hommes lézards. Ok, donc là on continue. Donc comme ça. Mais j'ai vraiment pas d'attaque. Ça me fait un petit peu peur quand même. Là encore sur une map comme ça va. Sur la finale, je sais pas ce que je vais avoir. Quelles seront les autres unités à notre disposition. Ok, le bait a bien marché. Ok, bon les gnolls ils font. Les gnolls hein, ils font le taf. Comme ça, bim, on rush la dernière qui est là. Et on ne sera pas embêté. Là, oui, j'ai plus de ressources, donc normal. Bon, on s'en occupera après. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça aussi. J'ai pu gagner un peu de temps. Du coup, parfait. Parfait. Ah, il a sorti un héros quand même. Jour 7. Donc en gros, on va mettre en artillerie. Donc ça signifie qu'il va avoir le. Alors c'est pas un. Il va pas avoir le bonus, mais. Bon, en même temps j'ai 100 gnolls, je devrais pas être emmerdé.
les arbalétriers. Je sais vraiment pas si... Si dans ce scénario, on n'a pas l'impression qu'on soit à Miami, quoi. Moi, je suis plutôt... Là. L'ignol. Dessin de guêpe. Bon, écoute, si on peut se monter une petite armée aussi à côté. Une bonne tête de Belluaire. Pas comme ça que je les imaginais, mais pourquoi pas. Commencer à aller faire un tour là aussi. Du coup, j'ai 3 héros. Alors, qu'est-ce qu'il a recruté? Bon, pas grand-chose au final. Donc, on va attendre. Là, on va me bloquer. C'est pas intéressant. De chance lui quand même. Mais bon, trop de gnolls. Il était balèze ce petit bâtard. Ouais, c'est tombé 0-0. On s'en fout. Une fois qu'on en aura terminé. Ok. Donc, ça c'est réglé. À lui. Bon, alors une petite armée en attendant. Et là, on va pouvoir faire ce que j'apprécie le plus, c'est monter ma petite équipe tranquille. Quartier capitaine. Ah oui, récupère du bois. Et donc faut récupérer toutes les mines. Hein. Effectivement, ça peut être long. Par contre, j'espère qu'on va débloquer. Ah, ok, on n'est pas unique. Qu'on va débloquer assez rapidement les le sort pour voir toutes les mines. Pour être utile. Ah, pas terrible. Ok.
les Gorgones. Nid Wyvern aussi, ça c'était costaud. Non, là moi je veux juste les hommes lézards. Ouais, comme quoi il y en a des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est vraiment très aléatoire. Hein. On va pas attaquer les gorgones tout de suite. Ça manque de bois. De toute façon, est-ce qu'on ferait pas une petite citadelle? À notre pop. Et des fois ça... Ouais. Oh bizarre. Oui, on souhaite les attaquer. Est-ce qu'on veut de l'XP? Donc toujours pareil. Un peu trop loin encore. Et la différence de dégâts. Hein. Comme vous êtes à distance de sécurité ou pas. Ouais, c'est des coups. Ouais, ça marche. Figaro, Figaro. Oh merde. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'on me tuerait. Chercher le nid Wyvern ici.
Ok. Les gnolls ont essayé de monter la garde devant cette tente. Après, ils décident de rejoindre votre armée. Bah, bien. Écoutez, vous êtes les bienvenus. Ah, j'avoue, on va monter. Fond d'expérience. T'as un maître d'artillerie. C'est ça, c'est la sagesse qu'il faut que je monte. Et là, on peut les taper de l'hydre. L'hydre qui coûte moins cher que les autres. Eh bien, félicitations. On aura le droit des hydres. Gorgone. Parfait. Ok. On va améliorer les hommes lézards. Où va-t-on aller? Ben, on va aller par là. On va nettoyer ça. Non, écoute, tu vas repartir ici. Mais j'ai pas les wyvernes. Ah, bah non. Putain, les wyvernes, elles sont cheatées en plus. Ok. Comment ça se passe ici? Donc, tu vas pouvoir revenir chez toi, refaire le plein. Qu'est-ce que je voudrais faire ici, entre des gorgones, des wyvernes, mon marché. Ah, c'est rentable. C'est très rentable. Oh, putain, je peux aller chercher, oui. Oui, je souhaite les attaquer. Ouais, je fais de la merde. Ça ne sert à rien, comme dirait l'autre. On a accès rouge, on a accès à la tente bleue. Oh, j'ai un sort de hâte. Ah merde, putain, je t'ai accès à ça. La fatigue commence à arriver. Mais là, ça va être assez simple hein, maintenant. C'est vraiment. Ouais. Tracher du mob et puis c'est bon. Donc ici.
On va rester comme ça pour l'instant. Les niveau 6. Ok, là je me suis fait taunt. Ok. Non mais... ils sont 8. 8 et ils veulent m'attaquer. Bah écoutez, attaquer donc l'hydre. Je sais pas quoi dire d'autre. Allez, on avance. Peut-être là où, ouais, où le maître tactique prendrait tout son sens. Là. Est-ce qu'on pourrait poser les gars quasiment en face des archers pour les pourrir? Niveau 5. Ah bah novice tactique, c'est cool. Là, niveau 3. Et si j'ai personne qui est au-dessus, niveau 3, peut-être lui qui est niveau 4. Donc niveau 4, faut choisir deux niveau 4. Niqué. Par contre, un sort de hâte, c'est niveau 1, c'est vrai que ça c'est pas mal. Après, le mieux ce serait de le faire monter. Faire monter la magie de l'air. Est-ce qu'on fait monter magie de l'air, ouais. Full hâte sur tout le monde. Là, on serait bien. J'aime pas les archers. Ok, niveau 7. Disciple. Bon, bah ça se confirme. Ça se confirme qu'il va falloir monter les garçons. Niveau 4. Ce sera notre prochain objectif. Ok. Plein d'argent. Ça fait un tel vide. Ok, pim. Où est-ce qu'on va aller? Gorgon, c'est toujours un peu chiant à gérer, mais... ça peut être sympa.
Ah bah bien sûr. Il y en avait 19 en plus. Ok, bon ça on s'en fout en fait. Ah mais est-ce que c'est considéré comme des mines? Non. On se le garde en tête. Ok. Ah lui il a pas de chance par contre. Hein. Chaque fois qu'il a des sorts... C'est pas pour lui. Là par contre... 3. Bon, lui, je pense. Il aura juste besoin d'y retourner pour apprendre les sorts manquants et les 2-3 trucs qui traînent ici. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de château, donc du coup, ça pop pas énormément. Ce qu'on va faire. On va faire ça. Tu vas te reposer de toute façon. C'est niveau 12 alors. Je me suis encore trompé donc. Niveau 12, d'accord. Le niveau 12. On va dire c'est plutôt fait. Donc on va aller chercher les îles qui nous restent. Dix. Alors je n'ai pas assez, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, eux, ils prennent. Ils demandent beaucoup de. Beaucoup de bois pour leur construction. Bon, en même temps, ils vivent dans la forêt. C'est correct. On va pas leur en vouloir. Au niveau du lore, ça se tient. Donc là, il y a une discipline d'apprendre des sorts niveau 4. Ouais, toujours pas. Hein. Ok. J'étais terrifié. Ce petit bâtard.
ici, plan de sagesse. Ouais, parce qu'un minimum de sorts, quand même, ça aide. Ah oui, un petit peu plus encore. Un petit peu plus, mais... Un petit peu moins. C'est pas grave. 40 points de dégâts. C'est pas grave. Ah non, c'est comment c'était? C'est normal. C'est normal. 145 quand même. Ouais, c'est pas dithyrambique. Hein. C'est des gnolls, on s'en fout un peu quoi. Ok. Ça passe. Oui, je suis maître. Alors, passe à la ville des mages de niveau. De l'artefact. Ah, le maître en sagesse, putain, niveau 5. Oh, putain, niveau 5, il a rien, quoi. Peut-être que des héros comme ça, je devrais pas les faire monter en sagesse. Même si j'adore... Même si j'adore ça. Bon. On est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais... Ah bah de toute façon je peux pas aller plus haut que la guilde des mages niveau 3. Voilà. Après vous me direz, mais c'est ici, mais peut-être que dans toutes les autres villes, tu peux les faire monter au niveau 5. C'est possible. On peut checker. Bien sûr pour vous viewers, hein, pour que vous sachiez quand vous... Vous ferez cette campagne que vous pouvez monter votre guilde des mages niveau 5 chez l'ennemi et pas chez vous. Ce qui est totalement normal. Oh bon, je dis ça. Bien sûr, je n'en sais rien du tout puisque je ne l'ai pas encore fait. Bon bah allons-y de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah l'XP. Ah bien sûr, hein, tout ceci n'est pas nécessaire.
pouvais aller beaucoup plus vite. Mais non. Ouais, 34. Clac. Ah tiens, par contre, tu as un petit diplomate. Ah, si, je vais faire ça. On va faire un test. Hein. On a encore un peu de temps devant nous. Ah ouais, merde, mais j'ai la... J'allais dire, j'ai la partie... J'ai une des parties, mais pas l'autre. Quelle enfer. Maintenant que j'y pense. Oh purée. Dire que demain la petite va venir me chercher au lit. Ça, ça va piquer. En plus je me suis rendu compte que dans mon let's play de Alerte Rouge 2, eh bien j'avais la première, enfin la fin de la... de la campagne alliée et le début de la campagne soviétique ont disparu dans les méandres de mon PC. Donc je vais devoir les refilmer. Et ça, ça m'enjaille. Alors, du coup, j'ai opté pour ne pas refaire la fin d'Alerte Rouge. Ouais, je fais du ciblage. Hein. Clac, clac. Parce qu'avoir les 3 niveaux 12, ça serait cool, quoi. Plus d'attaques, il serait mort. Dommage. Quel dommage. Ou aussi pour l'éclair de glace. Ok, de toute façon c'est n'importe quel... Ok, n'importe quel héros. Okay. Ah oui, putain, merde, la guide. 2.
Michu-chan. Bon, sinon, comment ça se passe le confinement? Ça, c'est l'avantage de mettre un master. Ça, je me retrouve ici. Si la logique est respectée. Oh, c'est où hiverne, hein. Petite coquille. Mais écoute, puisqu'on est là. Encore de la puissance, beaucoup de puissance. Je préfère avoir un peu de connaissance pour augmenter les points de magie. Mais...
Et la guilde des mages niveau 2 qui passe. Très bien, la Gorgone. Tu fais le boulot. Mais 11. Ah bah nickel. Okay. Oh, j'ai essayé de l'arnaquer, mais ça n'a pas marché. Donc, ah, je préfère qu'une guilde d'image niveau 2 en fait. Mais il y a cécité. Ouais. Très bien. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire le grand tour. Ah, l'XP dans le jeu, c'est un peu comme le capitalisme, quoi. On peut pas y échapper. Bim. Très bien. Aussi. Ah, bon, finalement, on va y arriver. Finalement, on va y arriver. Donc, ça me ferait tous à 12. On fait le tour vite fait pour monter en compétences. Et bingo, quoi. Bingo, bingo, bingo. Plus 5 puissance. Bon, là, quoi qu'il en soit, j'aurai l'XP. Tac, ici on est bon. D'accord, que le reste, ça doit être ok. Donc quoi, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc ça, il l'avait déjà visité, mais ce qu'on va faire, c'est que visiter ça. Et quel niveau lui ? Niveau 8, donc c'est lui qui est le plus en retard. Ici, il n'y a rien d'autre. C'est un peu chiant.
on n'est pas... Ok. Donc là, c'est visité. Ensuite, ici. Les griffons, ils veulent se battre. Oh là là, éclaté, délivré. Ah, la gym des titounis, je peux vous dire. Ah, ils rigolent pas. Hein. Oh, demain, ça va être l'éclat. S'il fait encore chaud comme il a fait, là. D'avoir une terrasse parce que je vais me poser dessus et faire la sieste. Ok, a priori je pense qu'il doit me manquer plus que la mine de gold. Ok, la puissance du port du Havre, seuls les plus jeunes reconnaîtront. Sort. Moi, maman est près de toi. Ok. Faut que j'arrive de dire ok, ok, ça devrait rester dans ma tête en fait. N'est-ce pas? Ah oui, phase d'XP dégueulasse. Il est passé ou pas? J'ai déjà zappé. Non, pas encore. Donc on va l'enlever là. Après on va descendre ici. Ok. Tac, il apprend et sort. Il va là. Il apprend les sorts. Bim. Il va là, il va prendre la chance parce que je veux pas qu'il soit nécromancien. Putain, à chaque fois que j'entends les oiseaux, ça me fait penser à comme si j'avais reçu un message sur WhatsApp. Le petit tutututut. C'est terrible. On est pas sûr qu'il y ait quelque chose à faire ici en fait. Hein. Putain, c'est qui? Si. Ok, continuez. Je sais que vous aimez ça. Vous ne le dites pas, mais... C'est pour ça que vous regardez des streams. C'est pour vibrer ainsi. Ah oui, Alphonse Brown. Putain, ça rajeunit pas quand même. La puissance du port du Havre. Ouais. Ah, c'est dur. Mais bon, en même temps, ce que j'aimerais, c'est être plus jeune. Mais être indépendant comme je suis aujourd'hui. Ça, j'avoue, ça serait quand même bien, bien, bien cool. Ah bah nique, c'était pas prévu ça par contre. Bon, tant pis. Ouais, je vais en perdre une. Je pensais qu'ils allaient attaquer dedans quand même. Eh bien, tant pis. Ouais, mais deux jours c'est trop compliqué. Deux jours c'est trop compliqué, il y a la petite à gérer.
Enfin, tu peux pas, je peux pas être, je peux pas être aussi constant. Quoi. Ce serait beaucoup trop saccadé au final. Ou alors ça, c'est même pas des mini streams puisque en off. En off, je joue à Diablo, tranquille. Mais j'ai ma vie qui vient tout le temps en fait, donc je joue 30 minutes, après je m'arrête, je vais faire un puzzle avec elle, je reviens. Donc voilà, et puis de toute façon, enfin la journée. Après le problème c'est que je peux pas me baser non plus, enfin créer une communauté de jour pendant le confinement alors qu'en fait je bosse. Et que je serai jamais là pendant la semaine, le jour, quoi. Très clairement. Donc non, je suis un oiseau de nuit. Et puis écoute, hein, bah tant pis. Non. De toute façon, j'ai envie de dire que je stream ou que je stream pas. De toute façon, je joue aux jeux vidéo. Donc voilà, non, c'était juste histoire d'avoir, ouais, allez, 10 pélos, quoi. 10 pélos, ce serait cool. Ouais, mais ils ont une maman qui. Ils ont une maman qui gère tout. Moi, c'est pas possible. Et puis, je veux pas laisser cette charge-là qu'à elle, quoi. Oh. Après, si ce serait vraiment mon métier, oui, je dis pas. Hein. Je pense qu'on pourrait, on pourrait trouver un compromis, mais. Si j'avais vraiment envie aussi de percer, quoi. Franchement, si j'avais vraiment envie de percer, c'est clair que. Moi j'arrête tout, enfin, je stream la journée, la nuit, je fais des lives de 35 heures pour tisser l'argent, je balance des messages sur tous les réseaux sociaux, je vais faire de la lèche à tout, sur toutes les vidéos YouTube et tout. Mais en fait je me dis si ça doit arriver, ça arrivera, et puis encore une fois je suis pas... C'est pas un rêve quoi. Ou pas, ouais. Merde, t'as la merde. Après, il y a MV. MV, il est papa, il stream. Mais c'est son taf, quoi. Moi, déjà, madame, elle aime pas trop de joujou, là. On essaie d'arrondir les angles, quoi. Je sais que déjà je vais me faire déboîter demain, quoi. Fini très tard. Bon, après, elle s'inquiète pour ma santé. C'est gentil. Des fois c'est chiant, mais c'est gentil. Des fois c'est chiant, mais c'est gentil. Bon, allez. On a presque fini. Ça pour le faire monter. Oh, ça suffira pas. Non mais je suis con aussi, il y a l'arbre qui traîne. Hop, comme ça on finit et dodo. Des gemmes, eux ils donnent de bouffer que des gemmes. Tu es maître en eau, félicitations petit spadawan. Hop, tu vas prendre l'essor que tu sais pas ici. Et puis la puissance en haut, putain. Si, 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 si. 10 de défense, hein. J'ai même pas un bouclier, j'ai rien, c'est quand même cheaté. Belluaire, en même temps, c'est ce qu'il disait. Hein. Prendre la lenteur, là. Après, c'est cool, parce que... J'espère que c'est pas celui qui est maître en terre. Bon bref, de toute façon. Ok. Eh bien c'est parti, normalement ça devrait être la dernière mine.
Ouais, on s'en fout, on voit tout. On voit la sauce. Oui, c'est vrai que j'en ai 80. Le mec, il a pas fui. C'est que cette mine doit être très spéciale. Yes! Et donc victoire. Bon, c'est facile, hein, 80%.